Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du jeudi 3 septembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule au mieux, que la rentrée se passe bien aussi et que les énergies lunaires ne sont pas trop bousculantes pour vous. On va peut-être encore aujourd'hui tirer une carte de l'oracle des astres parce qu'on n'est quand même jamais que le lendemain de la pleine lune. Donc voilà, je vous propose la guidance habituelle avec une carte sentimentale et puis le conseil le normand. Alors on va les retourner et voir ce que ça nous dit. La lune inversée, le soleil inversé et le jugement. Alors dans ce qui est favorable, on a la lune inversée. C'est comme si on nous disait laisse derrière toi les énergies compliquées, trouve un moyen de sortir de l'angoisse, de ne pas rester bloqué dans le cauchemar éventuel si évidemment si la situation est compliquée pour vous. Donc on parle d'énergie générale, ça peut être à la maison, au travail. C'est comme si à l'envers il y avait encore une difficulté à traverser certaines épreuves où vous ne voyez pas très clair, c'est pas encore vraiment mis à la lumière, voilà quel chemin je peux emprunter, par où je dois aller pour pouvoir m'en sortir. La lune nous normalement peut éclairer à travers même nos rêves, à travers nos fantasmes, à travers nos idées, les projets. Et là, pour pouvoir justement s'en sortir, puisque c'est dans les énergies favorables, on dit ok, ne lâchez prise en fait sur ce qui est compliqué pour le moment. Ça va peut-être pas se résoudre tout de suite. Et c'est un peu d'accepter qu'on ne peut pas voir clair sur tout, qu'il y a encore des parts d'ombre à régler, qu'il y a encore des choses qui génèrent de la souffrance peut-être, et que c'est comme si on vous disait ce qui va être votre allié aujourd'hui, c'est un petit peu de masquer votre peur. Alors moi je suis pas pour porter un masque, ça je crois que vous l'avez compris à travers mes guidances. Je pense que la sincérité est de toute façon mieux, mais c'est une carte ici qui de cette manière là dans ce tirage nous dit si vous ressentez une vulnérabilité, eh bien, elle n'est que passagère et vous ne devez pas spécialement la cacher, mais elle est en vous. Elle n'est pas forcément conscientisée. Elle va s'en aller progressivement, à condition probablement de parvenir à un moment donné, retourner la carte et voir vraiment ce qu'il y a à voir et comprendre pour pouvoir dépasser les obstacles au travail, à la maison, dans une relation. Il y a aussi une notion d'éviter le danger. Donc s'il y a une situation même financière, professionnelle ou peut-être amoureuse qui présente un danger quel qu'il soit ou qui un danger donc de vous déstabiliser, eh bien on vous dit qu'aujourd'hui en fait vous allez voir ça, vous allez comprendre que il faut que je fasse ça ou ça pour pouvoir éviter ce danger. Donc c'est assez positif. En difficulté aujourd'hui, dans les énergies un peu plus contraires, on a le soleil inversé. Alors d'une part, c'est comme si il y avait une difficulté à se réaliser, une difficulté à voir ce qui... une difficulté à rayonner, ou peut-être que vous allez être confronté à des gens qui ont peut-être un ego un petit peu surdimensionné, qui ont tendance à parler beaucoup d'eux avant d'écouter les autres, ou qui à votre goût prennent un peu trop de place dans la relation, et ce qui fait que ça génère un peu d'anxiété, que vous n'avez plus envie de voir ça, ça vous embête, voilà. C'est possible aussi avec le soleil inversé que outre le fait qu'on puisse soi-même parler trop de soi ou être confronté à des gens qui ont ce comportement-là, ça vient aussi dire attention à ne pas vous réjouir trop vite par rapport à un projet qui n'est peut-être qu'à ses prémices, qui n'est encore qu'à l'état mental ou de rêve. Attention à ne pas crier victoire trop vite, c'est vraiment ça que ça nous dit. Maintenant, moi, je l'ai mise ici en position d'énergie plus contraire. Donc, ça peut aussi vouloir dire que remettez la carte à l'endroit parce que vous êtes dans une énergie un peu pessimiste qui ne veut pas se réjouir trop vite, qui a peur
que les choses n'avancent pas comme elles le devraient, amoureusement ou dans le travail ou dans une question qui vous occupe à la maison. Ce qui fait que l'idée aujourd'hui, bah, c'est de la remettre à l'endroit parce que c'est en rayonnant, c'est en étant dans la confiance, en sortant de l'angoisse, qu'en réalité, vous allez pouvoir vous réjouir, être dans le bonheur, amener à vous quelque chose d'abondant et d'agréable dans le lien ou dans le travail, dans la réalisation de vos projets. Le soleil à l'envers va, outre la notion d'égoïsme, nous dire, ben, vous pouvez aujourd'hui essayer de... Il y a comme une énergie, les deux l'une à côté de l'autre, comme ça, d'enfermement dans un carcan, dans quelque chose d'un peu sombre. Et voilà, vous pouvez dépasser ça. Et aujourd'hui, même si c'est effectivement peut-être un résidu de lendemain de pleine lune, tentez de remettre la lumière, de remettre de la joie, de vous forcer un petit peu, entre guillemets, à aller vers des gens positifs, à être vous-même. Alors, on n'est pas ici pour surjouer la joie, hein, bien sûr, mais d'essayer de sortir de la négativité, voilà, pour pouvoir vraiment vous sentir plus serein, avancer et vous réaliser, et probablement dans le lien aussi, puisque le jugement vient sur la maison des amours, de vos sentiments. Il y a là, c'est vraiment une très belle carte, des âmes sœurs, d'abord, de la reconnaissance mutuelle, d'un lien qui est fort, qui est rayonnant, qui est beau, qui peut amener beaucoup de bonheur. Et c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à voir ça, à le vivre pleinement, à le laisser rayonner, ou l'autre en face de vous, hein, donc je dis pas, je dis vous, voilà, ça peut être la personne en face. Or, il y a, si on sort de cette angoisse, de cette difficulté à voir la beauté du lien, on sent qu'on est appelé vers quelque chose de plus haut, de plus beau. On peut élever la relation vers des horizons vraiment beaucoup plus larges et plus rayonnants. Donc c'est une belle carte qui vous invite à ça. Si vous n'êtes pas en couple, on voit qu'il pourrait y avoir effectivement un début de lien avec une personne qui est chère à votre cœur, que vous êtes appelé à vous rapprocher de cette personne, mais que pour le moment c'est le blocage. C'est le blocage, c'est la difficulté d'oser montrer que peut-être ça vous rend heureux. Alors il y a le blocage, évidemment, ça c'est vous seul savez d'où il vient. On est ici dans une guidance générale, mais c'est une belle journée aujourd'hui pour justement sortir de la critique, sortir des jugements, des peurs, de tout ce qui pourrait freiner la reconnaissance mutuelle et le fait de vivre la beauté de ce lien. C'est peut-être dans une activité professionnelle de type relation d'aide, quelque chose dans les soins, les énergies, que vous allez aussi faire la rencontre ou que vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'important pour vous. Donc, très belle journée pour intensifier ce lien, le laisser rayonner et ne pas avoir peur de même de mettre à jour ce qui éventuellement pourrait être un peu compliqué. On va voir quel est le conseil du Lenormand. Alors, on a la boussole et l'arbre de vie, qui est en réalité l'arbre tout court, voilà. On cherche un peu le chemin, hein, donc pour parvenir à s'ancrer dans quelque chose d'important, que ce soit au niveau du lien, de l'amour, que ce soit au niveau d'un projet. C'est comme si aujourd'hui, alors soit vous avez carrément perdu le nord, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous cherchez vraiment un moyen de remettre une stabilité, de remettre de la lumière, d'y voir un peu plus clair parce que c'est le brouillard, peut-être au niveau santé, donc là je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que voilà, il n'y a pas assez de cartes pour en parler, mais ça me parle aussi de vos origines, de vos ancêtres, de vos liens avec les membres de votre famille, que vous soyez encore en contact avec eux ou pas. Il y a comme, voilà, on essaye de savoir où on va. On va essayer de réduire la distance parce que la boussole nous parle aussi de manière symbolique de peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous, en distance, en kilomètres, et que vous avez besoin de retrouver le nord pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. On voit qu'avec l'arbre, il y a un ancrage, mais il y a aussi, dans ce jeu-ci, un arc-en-ciel.
Donc, c'est vraiment le prisme des couleurs qui jaillissent de cet ancrage, de ce lien retrouvé, de cette idée qui germe quand on laisse partir ce qui doit partir, ce qui n'est plus bon. La pleine lune permet de mettre en lumière nos ombres aussi et de mieux les travailler pour les laisser partir. Donc, c'est votre boussole intérieure qui va vous permettre cet ancrage dans quelque chose de positif pour remettre le soleil à l'endroit et sortir peut-être d'une certaine forme d'égocentrisme qui aurait pu être un peu problématique dans votre propre vie ou sur le lien. Donc voilà, c'est vraiment un très beau message du Lenormand. On va voir ce que nous disent les accords Toltec aujourd'hui. Quel est le petit mantra pour le jeudi 3 septembre? On va prendre une carte. Alors, voilà, c'est une carte qui va nous permettre de répéter les accords. Donc là, je pense que c'est bien, voilà, pourquoi pas, on va se les remettre en mémoire. Il y en a 4, alors je sais qu'un cinquième, il y a un cinquième accord Toltec, ici cette carte reprend les 4. Donc je vais vous les citer, comme ça on peut se les mettre en mantra et passer cette journée au mieux. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Donc ça veut dire, voilà, ne pas critiquer, ne pas juger. Ne pas être dans quelque chose de négatif. Deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc on sort de l'égocentrisme ou de quelque chose qui pourrait être un petit peu je suis sur le devant de la scène. Non, non, non. Les choses se passent pour différentes raisons qui parfois ne nous appartiennent pas. On n'en fait pas une affaire personnelle. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ça rejoint de nouveau la carte du jugement. Et même en termes de lien, même en termes d'amour, laissez aller ce qui encombre et vous serez alors dans quelque chose de pur, vraiment une belle reconnaissance et même une renaissance sur le lien, sur l'amour, il y a pourquoi pas le retour de quelque chose de beau. Quatrième accord, Toltec, faites toujours de votre mieux. Et effectivement, la première carte ici vous invite à ça aussi. Vous allez laisser partir les énergies négatives, vous allez vous remettre dans quelque chose de plus lumineux, vous allez peut-être devoir travailler certaines choses aussi pour ensuite renaître et faire de votre mieux. On ne vous demande pas, on ne nous demande jamais à nous tous ici sur Terre d'être parfaits, on nous demande juste de faire de notre mieux, que ce soit en amour, au travail, en famille aussi, dans nos projets. Et c'est à ce moment-là qu'on est ancré dans la réalité et dans le moment présent et qu'on peut rayonner. Voilà, et bien, je vous propose maintenant de prendre deux petites cartes de l'oracle des astres en ce lendemain de pleine lune et voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages de ce lendemain de pleine lune, jeudi 3 septembre, passage lunaire. Voilà. Ok, il n'y a pas de cartes qui ont sauté, donc je vais simplement en prendre deux. Nous avons la faille et le malheur. Alors, voilà, il y a des énergies un peu lourdes encore à laisser partir en ce lendemain de pleine lune. Ça peut être un cœur brisé, hein, je vois ça comme ça aussi, par rapport aux énergies d'amour, ça peut être quelque chose de... Les failles, c'est nos souffrances, c'est... ce sont toutes les choses qui font aussi la personne que nous sommes. C'est important de les voir, de les mettre en lumière, de ne pas les ignorer, de ne pas remettre le couvercle dessus, non pas pour se faire souffrir inutilement, mais pour parvenir à être, parce que bon, si c'est relié à des malheurs, à la mort de quelqu'un, à la perte d'un être cher, d'une relation, si c'est... même professionnellement, sur quelque chose de difficile, c'est en voyant nos failles que l'on peut se renforcer et mieux comprendre, apprendre les leçons du passé, ne pas être dans les répétitions, parce que la roue de fortune est quand même apparue quelques fois aussi, et sortir de malheurs répétitifs, soit en amour, soit dans la vie privée. Donc, ces malheurs sont évidemment vos failles, mais sont aussi votre force. Donc on va essayer aujourd'hui de profiter de cette journée de lendemain de pleine lune pour les voir, pour les accueillir, pour faire la lumière et pour laisser partir la souffrance qui
qui les retient finalement, et s'autoriser une renaissance en amour ou dans notre vie, dans tous les domaines généraux de notre vie. Voilà, ici se termine la guidance pour ce jeudi 3 septembre. Je vous souhaite une très belle journée, qu'elle vous soit douce et surtout très lumineuse. À demain, mes chers soleils.